Je peux parler, j'ai levé le doigt. Bonjour, je suis Gena42 et nous sommes actuellement sur Firewatch. C'est quoi cette intro? Je sais pas, je suis bizarre des fois. Ok, on va relancer le jeu. Allez, c'est parti. Donc, la suite de Firewatch, toujours en vidéo découverte, peut-être pas forcément le jeu en entier, mais visiblement on est bien parti pour. Donc j'ai regardé un petit peu, ouais, donc précédente vidéo, 52 minutes, je m'en étais pas rendu compte. Je suis assez choqué de ma vie. Moi j'étais en mode j'en suis à 10 minutes. Non, non, ça fait 52 minutes que t'es dessus, mon gars. Ah, d'accord, ok. ok, d'accord, très bien. En tout cas, je m'amuse bien là pour le moment. Je suis bien, bien dans l'ambiance. Hein. Je filme tout à la suite jusqu'à présent. Alors, je crois que c'est la troisième vidéo. J'ai tout filmé à la suite. Pour le moment, je ne m'en lasse pas. Je m'amuse bien. Non, c'est vraiment vidéo tranquille. Bien posé dans notre fauteuil, peut-être votre canapé, je ne sais pas. Comment êtes-vous installé? Bonne question. Sur quel appareil regardez-vous la vidéo? Bonne question aussi. Un ordi portable, une tablette, un smartphone peut-être. Ça va pas être terrible quand même sur smartphone. Petit écran et tout. Quoique maintenant il y a des smartphones avec des grands écrans, donc ça devrait aller encore. Et puis là, t'as pas de souci de résolution. ok. On avance. Ah putain, l'ambiance. L'ambiance est là. Je peux pas grimper, genre... Non. Ça y est, j'essaye de gruger le jeu, là. Mais ça, pareil. Hein. On a toujours pas l'outil. Hein. Ok. Ah bah, c'est bon, on peut passer par là. Si, la bonne gâche. Mais je suis où, là? Wow, je suis déjà là. Je suis revenu carrément à ma tour, moi. Ok, donc on peut retourner au lac. On peut retourner au lac. Il faut qu'on aille voir cette fumée. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on retourne au lac. Hein. On n'a pas trop le choix. Est-ce que je peux pas... Allez voir vite fait à ma tour. J'ai bien envie de voir s'il n'y a pas encore quelqu'un qui est venu faire des bêtises. Bon, ça n'a pas l'air. Hein. Non, ça n'a pas l'air. Ok. Mais pourquoi tu veux que je franchisse ça? Y a rien là-dedans. C'est juste des palettes. Ah, c'est ce qu'il y avait sur nos vitres. D'accord. Ok. Non, visiblement, il n'y a pas... Sinon, notre personnage nous aurait dit quelque chose. Non, je pense pas qu'il y ait une utilité. À revenir ici. Donc on va continuer. Alors par contre, mince. D'où est-ce que je viens? Je ne sais plus. Très bien. Mm-hmm. C'est bizarre ici. C'est assez rigolo. Bon, attends, c'est par là. Normalement, c'était par là. On perd vite. Bah, j'ai perdu le mot. Ah, ça, j'aime pas bien perdre des mots. On perd vite l'orientation, voilà. On perd vite l'orientation, je trouve. Ou alors, c'est juste moi. Hein. C'est fort probable que ce soit juste moi. Ah, c'est joli, ça. Ok, alors ça, on l'a déjà récupéré. Il n'y a rien qui a changé dedans. Non, il n'y a rien qui a changé. Ok, très bien. On va se rendre au lac auquel on s'est déjà rendu. Pour voir si les Gunzes s'y sont retournés. Les gamines. À mon avis, le détraqué qu'on a vu... Enfin, détraqué, c'est pas forcément un détraqué, mais à mon avis, c'est un détraqué. C'est un détraqueur. À mon avis, il a dû... déraciner carrément. Il a dû faire des choses aux gamines.
there's a tree out here that's been ripped to hell. Oh, merde. Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. Oh, yeah. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. Ouais, pas très rassurant. Donc il y a un ours, il y a un grizzly pas loin, on est bien. La bonne nouvelle, que c'est rassurant. Bien sûr que c'est rassurant. Il y a quoi là-bas? Je suis là, il n'y a pas l'air d'avoir de chemin pourtant. Bizarre ça. C'est comme s'il y avait un chemin alors qu'il n'y a pas de chemin sur la carte. Ah non, en fait, il n'y a pas du tout de chemin. Ok, autant pour. C'est quoi ce bordel? Mais c'est mon sac à dos qui fait ce boucan! Où il y a bel et bien des trucs en métal. Putain, mais je loupe un truc là. Un truc que je loupe là. C'est ici qu'il y a du bruit. Bon écoutez, j'en sais rien, ça doit être pour plus tard visiblement. Bon, allons au lac. Hein, c'est pas possible ça. Ah ouais d'accord. Ouais, les vidéos deviennent vite lourdes. C'est un peu embêtant ça. Alors, pente rocailleuse. Je suis à nouveau près de la pente rocailleuse où j'ai bien failli rester. Back at the shale slide, you know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Allez, vas-y, attache-moi cette corde. Mais c'est bon, maintenant tu as plein de cordes. C'est une bonne chose. On est content. On est très content. Allez, c'est parti, on y va. On est très très content, on utilise la carte formidable, allez c'est parti. On arrive bientôt en bas, au lac, on va trouver des gens qui boivent de la bière. Ah ouais, c'est très très long là, effectivement. C'était violent, hein. Se casser la gueule ici, ça devait pas être très agréable. Oui, la corde traverse le caillou, ça va. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas important. C'est pas important. Pouf, on est bien. Ouh, j'ai eu des petits ralentissements là. Il a peut-être chargé quelque chose. Pointe d'attache, où ça? Ah, ici, d'accord. Ah, c'est là où on pouvait pas accéder. Et justement, c'est là où on doit se rendre. Effectivement. Et non pas au lac. Mais j'ai bien envie d'aller voir au lac. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'était par là? Non mais c'est un arbre déraciné ça ou... Non j'ai rien à dire dessus. Putain mais il y a un chemin par là. Faut que j'arrête, c'est insupportable, je vais jamais terminer ce jeu. Remarque moi je suis... C'est un jeu parfait pour moi. Hein. Ah tu me fous dans une forêt. Ah je suis bien. Ah les petits oiseaux là qui chantent, on est bien. C'est par là les mecs ou bien? Je me suis encore perdu. Ah, c'est par là. Hein. C'est par là. En fait, j'ai envie d'aller voir pour être sûr que les gamines n'y sont pas. Quoi. Non, cette fois-ci, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de vêtements. Et pourquoi s'y mettre à poil dans ce putain de lac? Non, il n'y a personne cette fois-ci. Ok. On va retourner là-bas. J'aime beaucoup cette phase dans les buissons comme ça. Les buissons viennent jusqu'à recouvrir notre tête. Je trouve ça... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance-là. Toujours le feu ici. Ils ont récupéré leur sac à dos. Elles ont laissé des canettes. Hein. Ça, c'est... J'aurais bien aimé qu'ils puissent mettre un truc qui n'aurait servi à rien. Hein. Mais juste à la possibilité de trimballer avec un petit sac pour mettre tous les détritus que tu croises dedans.
juste avoir la possibilité de le faire, sans forcément apporter quelque chose d'important au jeu, mais juste avoir la possibilité de le faire, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. C'est parti, si tu pars. On redescend. Ça me fait triper. Les modèles des personnages, j'aime bien. Je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis. Parce que c'est important. Non, c'est bon, ça va. Ça devrait le faire. Il y a une petite sauvegarde. Je peux le faire, une sauvegarde. Moi aussi, je sais faire. Hein. Ah, je crois que le soleil commence à descendre un petit peu. C'est bien possible. Allons-y, discrètement. Je crois qu'il y a une cache. Les couleurs changent. Ouais, on a une cache sur notre chemin, la 309. Campfire smoke. Ouais. Allez. Oh, on a encore deux chemins, là. On va passer par là. Passons par ici. Oh bah d'accord, mais les deux chemins mènent au même endroit. Je suis un peu bête. Ok. Ok, bye. Alors, le mot de passe très évolué, hein, comme d'habitude. Bien entendu. Merde, quel con. Hop là. Allez, donne-moi plein de choses. Déjà la carte, pour avoir plus d'informations, les routes et ce genre de choses. Voilà. Dépliant de personnel disparu. Ça on m'avait pas dit, hein. Missing person. Mitch Michael. 31 ans. Vas-y, allez. Michael was last seen around John Zay Lake on July 1st. Ok, d'accord. Forest service personnel. He is not known to be familiar with the area. Last known location. Mitch was seen around John Zay Lake on the morning. Ok, la dernière fois qu'il était vu, c'était vers le lac. Très bien. Très bien. If you have seen the... Nanana. Ok. Cocotte, tu sais quelque chose? Il y a beaucoup de randonneurs qui disparaissent dans la forêt de Shoshone. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Merde, quel con. T'aimerais pas ce type, hein. Il souffre de stress post-traumatique. Pas très rassurant. PTSD, that doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Mm-hmm. Y'a rien d'autre? Y'a que des pommes de pin, hein? Vous savez quoi? Se balader avec une pomme de pin. C'est parti. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? No. I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ok. C'est une bonne chose. Je vois plus trop la fumée, hein, avec la lumière, là, je t'avoue. Je t'avouerai qu'on voit plus grand chose. Bon, on a récupéré les caches, tout ce qui compte. Wow!
Ouh, what? Ah! Hop! J'ai voulu faire des ricochets, mais qu'une pomme de pin, c'est pas terrible. C'est un babet. Qui joue de la guitare? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Non, c'est une montagne. Qui joue de la guitare? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des choses. Ils sont dans ma tête. Bakayalo. Konayalo. Fais-on la carte un petit peu? Alors. Ouais, il y avait bien deux chemins. On pouvait suivre de l'autre côté du ruisseau. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand-chose non plus. Là-bas, ça quitte la map. Et c'est pour cette raison que nous allons nous y rendre. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être un diaporama assez cool. Oh, yeah. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? On va construire un mur. To the south. You know, trees and mountains forever. Eventually, you wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Une barrière naturelle. Tu vois, Trump, il n'y a pas besoin de construire de mur. Il y a une barrière naturelle. Allez, là, j'ai envie de faire une petite photo, là, quand même. Là. Plus comme ça. En fait, les montagnes à gauche, je les trouve un peu dégueulasses. Donc, j'ai plus envie de faire ça comme ça, en montrant qu'il y a des grosses montagnes à droite. Je veux dire, pardon. Merde, comment on fait la photo déjà? Ouh, j'ai plus de photos, plus beaucoup de photos, hein, décidément. Ça me rappelle, quand j'étais gamin, on avait ces appareils photo là. C'est énorme, 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 énorme. Après, tu devais amener les pellicules. c'était trop. T'as la technologie aujourd'hui maintenant. Tu prends ton smartphone, tu prends des milliers de photos. C'est impressionnant. C'est fou quand on y pense. Ouh, cascade. Allez, oh, laisse-moi signer la cascade. C'est un really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Bon, maintenant il faut rechercher des vêtements. Il y a possibilité de monter là. Je peux remonter comme un saumon ou pas? Attendez. Pas possibilité de. C'est par où le chemin? Cascade, c'est bien beau, mais... Ok. Peut-être par là, fais voir. Ah oui, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Chut. Il faut pas qu'elle nous repère. Oh, feu de camp. Campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Shh. Ah. Mes draps. Ah, found my sheets. Ah mais c'était. They did break into your tower. Looks like. Ah, c'était bien elle. Je pensais pas que c'était elle. Hein. Déjà, je l'éteins. Bordel de merde, tu laisses pas un feu sans surveillance, c'est pas possible ça. Ce sont mes draps. Je peux les prendre? Non, tant pis. Zone ado, c'est ça. I have entered the teen zone. Oh, really? D'accord. Where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Bourré rebelle, what the fuck? What on earth are you? It's another one of those magazines. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Oh oh. It looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it.
Yeah. Let me know what it says. Non mais c'est pas le message moi en fait qui me pose problème. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Oui, ça je te le fais pas dire. Tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Good. Sac de couchage. Oh, qu'est-ce que t'as à dire? No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Ah non, j'ai pas volé ça quand même. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Ok, on va prendre le message. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cher psychopathe. Oh, d'accord. J'espère que t'es content de toi. On s'en va. Mais on va prévenir la police que tu as essayé de nous faire peur près du lac et que tu as détruit notre camp et toutes nos affaires. Oh, et volé les culottes. C'est dégueu. Tu es peut-être un assassin arriéré armé d'une hache, mais je ne garantis pas que tu vas aller en prison. J'espère que ça valait le coup de nous prendre la tête pour nos feux d'artifice, connard. Je pense qu'il y a l'autre... Je pense que l'autre, en fait, il y a bel et bien obsédé dans la forêt qui leur a volé leurs vêtements. Faire peur au lac et détruire notre camp, parce que j'ai pas détruit le camp. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui a détruit le camp, donc elles sont parties. Du moins, elles ont essayé de partir, à mon avis, l'autre les a arrêtées. Elle veut l'appeler à la police parce qu'elle croit que je les ai agressés, c'est juste... c'est moi... Ok, voilà. Mais sérieux? Je ne l'aurais pas fait de mal. Someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Oh bah, même pas besoin de rentrer. Je vais peut-être même couper directement ici. Ça fait une vidéo assez courte, mais bon. Trouver des planches en bas pour boucher la fenêtre. Ah, ça serait pas mal. Alors on va quand même boucher notre fenêtre. Hein. Continuer un petit peu vite fait. Oh, attendez 2 secondes. Oui, c'est moi. Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Combo trainers, ok. Tu connais Rolly Fingers, le changement de Tom Cruise. Mais on boue. L'enculé. You just don't want to answer. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? C'est pas le genre de choses auxquelles je réfléchis. Des smoking aussi souvent que possible. J'essaie d'être présentable en général. I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, It's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? My nose.
J'ai une barbe épaisse, je l'ai cassé, tu vas adorer ma moustache fine et ma cicatrice. My nose. I got a broken nose. It's not bad or anything, but yeah. How'd you do that, your illustrious boxing career? I wish. No, a guy was drunk and jumped on my back and I slipped and ate a parking meter. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Froid, heureux. Heureux. They're happy, I think. I mean, I've been told they look happy. Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Fabuleux. Il est toujours là. Sir Reynolds. Ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ok, c'est parti. C'est parti, je vais aller chercher des planches. Ah, on la voit la montagne depuis ici. Sympa. Bon, il me faut plus de planches. Bon dieu de merde. On voit personne dans les alentours. Pas de fumée. Essayons de voir un petit peu. Non, pas de fumée, visiblement. Ok. Eh bien, on va descendre. Ouais, c'est vrai que la vidéo pèse lourd assez rapidement. Donc, on va essayer de prendre ces planches, boucher notre vitre, et je pense que j'arrêterai là. Alors, hop, on prend une planche. Voilà. Récupérer quelques planches de plus. Alors, une autre. Voilà. Il y en a une par là. Colmater la fenêtre cassée. Ah, mais c'est bon, j'en ai pas besoin de plus. Et ben moi, ça m'amuse, hein. Et je pense qu'il y en a plein qui ne comprennent pas le délire. Enfin, un jeu dans lequel tu ramasses des planches pour réparer une fenêtre. Ben moi, j'aime bien. Voilà, là je suis bien, là je suis dans l'ambiance. Qu'est-ce que je peux faire là? Ah ok, je peux activer directement. Allez, répare-moi ça. Parce que, mais encore, c'est pas très très bien optimisé tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a pas directement utilisé les panneaux de bois qu'il avait en bas? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and, I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Jour 9. Eh oui, ça va vite. Ah, c'est pour ça, on fait un petit peu l'intro et puis on s'arrêtera là. Hello Henry, having a nice afternoon. Oh, c'est beau. Beau, c'est beau. Ouais, super. Too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. There was an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Oui, c'est elle. Je veux bien qu'on m'interroge. Je n'ai rien fait de mal. C'est sûrement une coïncidence. Je n'ai rien fait de mal. Do anything to them. What about their camp? That wasn't me. You know that. Don't get defensive. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe.
just not say anything and save us the trouble? Il vaut mieux le mentionner. I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. Bah pourquoi? Enjoy the sunset. Putain, c'est beau. Oh, jour 15, et bah ça s'enchaîne là, dis donc. Attends, mais là, ça veut dire que ça fait 6 jours qu'on Henry. A appris. Henry, wake up. Oui. Yes. Get out of bed and pick up the radio. Ce qu'on va faire, les petits gens. Les petits gens. C'est marrant ça, les petits gens. On va sauvegarder. Et j'enchaîne. J'enchaîne. J'en fais une autre. J'enchaîne, c'est pas grave. Hop. Sur ce, c'était Gena 42 sur Firewatch, le jeu vidéo. Et on se retrouve pour la suite. Ouais, je vais filmer la suite encore. Allez, c'est parti. J'enchaîne. J'ai mal aux yeux avec ce projecteur, hein, toujours.